Welcome back guys, c'est Dadou et on se retrouve aujourd'hui sur World of Warcraft et je vais vous montrer comment obtenir le trophée Métallurgence. Ça se passe sur l'île du Tonnerre en Pandarie, plus précisément à la Forge du Tonnerre. Il y a ce mob qui s'appelle Seigneur du Métal Monohan que vous allez devoir tuer une fois que vous aurez pu emmagasiner 10 vagues de puissance. Alors les vagues de puissance c'est quoi? C'est un buff que vous obtenez en tuant les mobs qui sont juste à côté qui font de l'électricité, les électrocuteurs de Shanzi. Tout simplement, vous tuez un de ces mobs, à sa mort, il fait pop une boule électrique, vous passez dans cette boule électrique et vous obtenez une vague de puissance. Alors au début, ça dure pas longtemps, donc vous tuez directement les autres mobs qui sont autour, vous faites pareil. Le buff se cumule en stack et en temps. Comme vous pouvez voir, il y en a 6 dans cette zone. Et pour le haut fait, il faut 10 buffs. Et bah c'est pas compliqué, tout simplement, les mobs là repop très vite. Comme vous pouvez le voir, un petit peu avant la fin de mon buff, les mobs repop et je les tue à nouveau et je monte à 10 vagues de puissance. Une fois que vous êtes à 10 vagues de puissance, vous pouvez tuer le boss et vous obtenez le haut fait. Alors si vous n'avez pas envie d'attendre le repop ou alors si ça bug un peu qu'il repop pas assez vite pour le debuff, vous allez dans la grotte qui est juste à côté et il y a d'autres électrocuteurs dedans, vous pouvez les tuer, revenir avec le buff, c'est pareil. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, surtout n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à lâcher un commentaire, ça fait toujours plaisir. Pensez aussi à aller voir mes autres vidéos, il y a beaucoup de tutos sur World of Warcraft, notamment pour les montures, les mascottes, les hauts faits, je suis sûr que ça va vous plaire. En attendant, je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine.